se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme, l'amour finit par triompher. Touche beaucoup, petit collègue. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois vous m'appelez petit collègue. C'est que je me souviens de ce jeune homme qui, il y a quelques années de cela, pour m'impressionner, s'est mis à danser devant ma voiture en pleine circulation. Ouais, c'est vrai. En fait, je voulais tellement intégrer Mélodie, c'était le seul moyen que j'avais. T'as plutôt réussi. Te voilà aujourd'hui mon plus proche collaborateur. Tu es même devenu comme un fils pour moi. Et très sincèrement, je souhaite qu'un jour tu diriges cette école. Salut Lino. Trop de temps à faire des choses inutiles, trop et trop de choses qui ne tombent pas pile. Les années passent, on se rapproche du final. À force tourner en rond, finit par perdre le fil. On oublie de taper droit dans le mille. La vie s'en va, on se rapproche du final. Fais ce que tu dois, ne remets jamais un cas, pays la zécano. À demain, si je faisais autre chose, moi le musicien, je t'aurais pas joué ces belles symphonies qui te remplit d'espoir, te fait du bien. À demain, ah oui là, ne remets jamais, mais il a ses canons. À demain, mais il a ses canons. À demain, mais il a ses canons. Rentrons à la maison. S'il te plaît, chérie,
Reviens à la maison. Je sais que j'ai gaffé. Tu as gaffé? C'est ça que tu appelles gaffé? Et avec mon meilleur ami aussi, c'était une gaffe? J'étais désespérée. Ça ne justifie pas ce que tu as fait. Toi aussi, tu m'as trompée. Oui, mais pas avec ta meilleure amie. Comment tu te sentirais si tu apprenais que je couche avec Annabelle? Hein? Et en plus dans le lit conjugal. S'il te plaît, mon amour. Ne me quitte pas. Que vais-je devenir sans toi? Tu vas faire ce que tu as fait avec papa. Et puis le problème, ce n'est pas de me remettre avec toi ou pas. Le problème, c'est que je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux pas vivre avec la hantise que ma femme est dans mon propre lit avec un homme pendant que je suis au travail. Je te promets que je vais changer. C'est elle, n'est-ce pas? Tu ne te rends pas compte que c'est cette femme qui est en train de nous séparer? Je dois décrocher. Oui, Gina. Ok, je passe te chercher. Ah, docteur. Monsieur Bernard. Est-ce que je peux avoir le rapport d'autopsie de mon frère? Oui, vous l'aurez d'un moment à l'autre, le temps que mon assistante fasse un exemplaire pour les autorités judiciaires. Autorités judiciaires? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la mort de mon frère? L'autopsie de votre frère que j'ai faite a révélé un taux suspect d'un poison qu'on appelle le cyanure dans le sang. Ah. Oui. Je soupçonne un meurtre. Alors, en pareille circonstance, la procédure exige d'alerter les autorités judiciaires. Ne t'inquiète pas, Marie, je ne vais pas te renvoyer de l'école. Peut-être que tu ne me croiras pas, mais je ferai tout ce que je peux pour ne pas que Fadoul démolisse Mélodie. C'est pour ça que tu as trahi Gina? Désolée, je n'en parle plus. Sache tout simplement que je ne veux pas perdre ton amitié. Je ne veux pas aussi perdre ton amitié, Marie. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse avec Momo, puisque c'est lui qui t'a choisi. Merci beaucoup. Entrez. Je suis venu récupérer mes dernières affaires. Elles sont là. Bien sûr que je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Mais je veux m'en accuser moi-même. Mais vous n'avez pas dû me défier, docteur. Je vous ai pourtant tout donné. 2 fois 10 millions pour me laisser tranquille. Mais pourquoi? Pourquoi? Écoutez, docteur. Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. Je veux que vous passiez tout ça sous silence.
Je veux que la mort de mon frère soit une mort naturelle. Vous êtes en train de me demander de produire un faux rapport d'autopsie alors que votre frère est mort par empoisonnement? 10 millions, docteur. 10 millions. Une indiscrétion dans votre organisation criminelle m'a fait savoir que je devais toucher 20 millions au lieu de 10. Ah bon? Mais je t'ai déjà donné deux fois 10 millions. Ça ne t'a pas empêché de t'introduire dans ma famille. J'ai même fait croire à mon neveu que tu avais besoin de lui pour une étrange affaire d'empoisonnement. Tout ça pour m'embêter. Je suis médecin et j'ai disparu depuis une semaine. La police est sans doute à ma recherche. Si tu me tues, ils te retrouveront. Oh, pour ça, ne t'en fais pas. T'en fais pas pour moi. Entre les vivants, on finit toujours par s'entendre. Mais toi, arrivé là-bas, tu dis à mon frère que je le salue. Bizarre, Monique. Ce type m'a carrément harcelé pour que je lui produise ce document et maintenant qu'il est prêt, il ne donne plus aucun signe de vie. Et même son téléphone ne passe pas. Je vous ai dit, docteur, ce monsieur, je ne l'ai jamais senti. Et là, c'est la preuve que j'avais raison. Ne dis pas n'importe quoi. Il a peut-être un empêchement. N'oublie pas que c'est un médecin légiste et les médecins légistes, ils sont très occupés. Au point de fermer son téléphone pendant une semaine. Je suis sûre que la police l'a arrêté en possession de drogue. Vous êtes sûre que ce monsieur est vraiment un médecin? C'est facile à savoir. Tu vas fouiller dans le registre des médecins de Côte d'Ivoire et chercher docteur Abonga. Ok. Je ne peux rien pour vous non plus. Vous croyez me connaître sans me connaître, les chiens. Vous croyez me connaître sans me connaître, les loups-garous. C'est un croix que moi je suis votre Dieu vivant. Oui, c'est vrai. Moi je suis un gagnant, oui c'est vrai, moi je suis un battant. Oui c'est vrai, je vois le soleil se lever tous les jours au même endroit. Et moi j'en ai vu des vertes, et moi j'en ai vu des pas mûres. Vous qui voulez que moi je sois votre modèle, j'ai bien compris, lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Venez m'embrasser si le cœur vous en dit. Parce que moi, Andy, je ne suis pas rancunier. Je partage tout ce que j'ai et je suis disponible. Kader Ndaou, alors laissez tomber. Je suis comme je suis. Le reste, give me a break.
que vous me voulez? Pourquoi vous m'espionnez? Fadoul veut s'assurer que tout se passe bien avant la démolition de l'école. Oui, mais comme vous le constatez, tout se passe bien. Vous n'avez pas besoin de débarquer comme ça dans le bureau de Gina et de la Nardi après tout ce qu'elle a vécu. Après tout ce qu'elle a vécu? Tu t'inquiètes pour elle, c'est ça? Ah ouais. Fadoul avait donc raison de ne pas te faire confiance, toi. Je le tiens au courant tout de suite. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fadoul n'a pas besoin d'être au courant de tout ça. Comprenez-moi, c'est difficile pour moi de gérer cette situation avec tout ce que j'ai vécu avec Gina. Je vous promets que ça ne va plus se répéter. Ok, je passe l'éponge pour cette fois. 200 000 francs pour mon carburant. Attends. Vous êtes en train de me demander de payer votre silence? Comme tu es perspicace. Quel genre de crapule vous êtes? Je suis le genre qui peut te faire mettre à la rue en moins de deux. Allez, dépêche. Cet imbécile. Il va finir par me le payer, tu peux me croire. Où est-ce que tu as passé la nuit? Parce que je suis allée à ton hôtel. Je voulais passer la nuit avec toi, mais tu n'y étais pas. J'y suis restée jusqu'à 23h et au final, c'est Momo qui est venu me chercher. Et ton téléphone ne passait pas. Écoute, j'ai passé la nuit à mon appartement, mais c'est pas ce que tu crois. Et moi, je ne crois rien. Je veux juste comprendre. Je veux comprendre pourquoi est-ce que tu retournes dans une maison que tu as abandonnée, alors que la femme qui est supposée être ton ex, y vit encore. J'étais allée récupérer quelques affaires et je me suis assoupie dans le canapé, voilà. Sans blague. Écoute, je te promets qu'il s'est rien passé, Gina. Tu sais quoi? Je vais prendre un taxi. Adieu, Mélodie, tu as disparu pour de bon. Aujourd'hui, c'est ma victoire. Hé, hey, applaudissez! Applaudissez! Hé, tonton Bernard! Oui. On dirait que tu as bonne mine aujourd'hui, hein? Ah oui, tu l'as dit. Allez, assieds-toi et trinque avec moi. Vraiment? Oh, assieds-toi. Rachel, apporte-moi mon verre. Aïe! Mais, tonton Bernard, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Mélodie va bientôt disparaître, c'est ce qu'on entend. Hein? Oui, c'est la vérité. Et c'est l'œuvre de mes mains. Ah! Alors, tenez compte. Oui! Attends, 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 attends. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, buvons ta santé alors. C'est tout. À ma victoire. À ta victoire. Mais j'ai dit, ta nièce et tout son personnel seront à la rue. Non, Koudina, je m'en fous. Ne m'en fais pas pour ça. Elle va bientôt repartir en France et vivre avec son blanc. De toute façon, elle a reçu 500 millions. 500 millions 500 millions, comment tu l'as dit? Elle a de l'argent. Maintenant, pour les autres là, je m'en fous, je ne les connais pas. Pour moi, là, c'est des étrangers. Allez, vivons, vivons, vivons. Oui. Donc, on va apporter encore trois autres bières. Bière. Casier. Casier. Oh. Rachel. Rachel. Fais venir un casier. Ah, mais, tonton Bernard, c'est maintenant que je te reconnais. Comment tu te sens, papa? J'ai appelé Gina et elle est super inquiète. Fallait pas. Ta sœur doit se concentrer sur ses études en Europe au lieu de s'inquiéter pour ma santé. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu sais à quel point elle tient à toi, papa. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai vu bien pire que cette maladie. Ah non, mais papa, tu as fait une crise d'AVC. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Mais ce qui est inquiétant, c'est que il y a moins d'un mois de cela, on a fait ton bilan de santé. Et ça indiquait que tout allait bien. Moi non plus. Je ne comprends rien. Alors, comment va mon très cher frère très adoré? Tu en es sûr? Oui, docteur. Docteur Abonga travaille dans la clinique où est décédé votre père. Et c'est sûrement lui qui a fait le rapport d'autopsie. Mais comment se fait-il que vous ne le connaissez pas?
Parce que c'est ton nom maintenant qui s'occupait de toi après la mort de papa. Néanmoins, vous avez vu le rapport d'autopsie. Vous avez vu que c'est lui qui a signé. J'ai pas fait attention. Et tout est resté avec tonton Bernard, même le certificat de décès. Mais ce qui m'intrigue, c'est que depuis le début, il me visait. Et pourquoi? Il connaît mon nom de famille? Il connaît mon domicile? Vous pensez qu'il y a un guet sous roche? Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond, en tout cas. Je vais de ce pas à la clinique de ce docteur pour voir un peu plus clair dans cette affaire. Merci, 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 merci. Dis-moi, grand frère, pourquoi tu ne veux pas vendre cette école? Fadoul, il ne va pas arrêter de te persécuter. Il peut toujours courir. Je ne lui vendrai jamais, Mélodie. C'est l'héritage de mes enfants. C'est compliqué. Il est très dangereux. En tout cas, moi, il me fait peur. Pas moi. Pas moi. Pourquoi? Pour de l'argent. Pour le pouvoir. J'ai la graine de politicien africain en moi. Voilà pourquoi. Thank you.
J'en ai beaucoup. Comment je vais faire? Rachel. Rachel. Il faut surfacturer. Actuellement, là, il est soudé. Il faut surfacturer. Tu as compris, non? Kendra Dizel, bois pendant que c'est chaud. Merci. C'est vraiment chaud. Tu n'arrêtes pas de déprimer depuis et ça m'inquiète. Papa veut que je rentre en France avec lui. Et Ethan? Apparemment, il ne sait plus où il en est avec notre relation. Et il n'exclut pas l'idée de retourner avec Ashley. Pardon? Je n'arrive plus à comprendre Ethan. Qu'est-ce qu'il veut juste? Écoute, je n'ai plus envie de parler de cette histoire. Toi, dis-moi plutôt ce qui te tracasse. Tu te souviens du médecin qui était passé ici la semaine dernière? C'est le légiste qui a fait l'autopsie de papa. Et tu m'en as jamais parlé? Tu m'as dit que tu l'aidais à élucider un meurtre ou quelque chose dans le genre. Oui, mais parce que je ne savais pas que c'était lui qui avait fait l'autopsie de papa. Et ce qui est suspect, c'est qu'il m'a menti. Il m'a fait croire qu'il pratiquait une autopsie d'un enfant qui avait été empoisonné au cyanure. Et lorsque je me suis rendu à la clinique où il travaille, il n'y avait pas de trace de l'autopsie. Bien sûr, aucune trace de l'enfant. Et il t'a donné des explications? Il a disparu depuis quelques jours et personne ne sait où il est. Aucun de ces numéros ne passe. C'est bizarre. Pourquoi chercher à rentrer en contact avec toi pour disparaître aussitôt? Je sais pas, mais bon. Cette affaire me paraît trop louche. Et je vais pas la laisser comme ça. Comme vous pouvez le constater, la situation financière de Mélodie n'est pas assez reluisante. Aucune importance. Bientôt, cette école sera une ruine. Ah, attends. Vous êtes en train de me dire que Mélodie n'a aucune chance de survivre? Aucune. David Taïrou t'attend dans la salle de répétition. Va lui faire une visite afin qu'il voit la superficie du site. Bien, monsieur. Mon téléphone. Écoute-moi bien, parce que c'est la dernière fois que je vais te le dire. Jamais, je dis bien jamais, je ne te vendrai mon école. Disparais de ma vue, misérable. Ta langue de vipère, je vais te la trancher, je te le promets, pauvre type. Minable, tu me menaces? C'est plutôt toi qui as une âme de pauvre. Je te promets que tu me paieras pour toutes tes insultes gratuites. Je vais livrer ton corps en pâture aux bêtes sauvages. Les serpents vont fouiller ton sang. Et tu n'auras qu'un seul métier, celui de crier. Ma parole, tu serais devenu poète. Piètre poète, va. Et maintenant, tu vas débiter tes élucubrations ailleurs. Car l'odeur de ta vanité empeste dans mon bureau. Sera la place de la tienne. Et ensuite, je détruirai ton école. Et sur ces ruines, je construirai le plus grand centre commercial de ce pays. Mais bien avant, je vais t'expédier en enfer. Oui, c'est ça. Tu peux toujours rêver. Dégage! Monsieur Taïrou, Lino, pour vous servir. Enchanté. Je suis le nouveau directeur de l'école. Enchanté. Je vais vous la faire visiter. D'accord. En tant qu'artiste, je te
trouve vraiment dommage qu'on détruise une école d'art pour construire un supermarché. Mais bon, Monsieur Fadoul est un très grand homme d'affaires. Ce qui est encore dommage, ce sont ces centaines d'étudiants qui se retrouveront sans école. Mélodie ne mérite pas de vivre ça. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi. Pourquoi le propriétaire de cette école a construit sur un site qui ne lui appartient pas? Et pourtant, M. Fadoul lui aurait donné une dizaine d'années pour justement gérer ce problème. C'est ce qu'on vous a dit? Devrait-on me dire autre chose? Monsieur Taïro, mon avocat vient de m'informer que tous les documents sont prêts. Vous reviendrez un autre jour pour la visite. Pourquoi à chaque fois que je pars en France, j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je te vois? Parce que tu m'aimes trop, mon bébé. Sans blague, papa, je suis sérieuse. Tu t'inquiètes pour rien. Je respire la pleine forme. Tu me promets de respecter les recommandations du médecin? C'est promis. Tu vas te reposer comme ils t'ont demandé? Tu m'appelleras tous les week-ends pour me donner de tes nouvelles? Oui, ma grande. Et au moins de problème, tu me feras signe? Tout ira bien, ma chérie. Ah. À la voiture. Je savais bien que ce monsieur n'était pas net. Oui, tu avais raison depuis le début. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a mystérieusement disparu, maintenant même où je mets la main sur ses supercheries. Je voudrais qu'il m'explique pourquoi tous ces mensonges. Franchement, je commence à avoir peur pour vous. J'ai l'impression qu'il vous veut du mal. Tu as sûrement raison. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait monté tous ces mensonges-là? Et ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a caché que c'est lui qui a fait l'autopsie de mon père. Je sais ce que vous devez faire. Porter plainte pour tentative de meurtre. Non, n'exagérons pas. Il ne m'a pas fait de menace de mort. Et puis, à partir d'aujourd'hui, je sais comment faire pour rester sur mes gardes. Alors Gina, tu ne prends rien? Non, bulldozer, ça va pour moi. Ça ne te dérange pas que j'attende quelqu'un ici? Non, pas du tout. C'est un plaisir pour moi. Je sais que tu es triste pour ton école. Mais sache une chose. Dans la vie, quand Dieu te ferme une porte, il t'ouvre une autre. Merci, bulldozer. Mais j'ai dit, celui que tu attends va consommer, non? Excuse-moi, mais... Ne t'en fais pas. Nous allons prendre quelque chose. Ok. Je vais le tuer, ce petit morveux. Je vais me débarrasser de lui de la même manière dont je l'ai fait avec le père de sa petite amie. Calmez-vous, Monsieur Fadoul. Et puis, qu'est-ce qui prouve que David a pris en considération les propos de cet imbécile d'État? Mais de quoi tu me parles? Tu as vu comment il a commencé à nous regarder lorsque ce fils de pute lui a parlé? Écoutez, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Imbécile, toi, tu t'es passé où? Tu m'as laissé avec cet abruti de Mike qui n'est même pas capable de canaliser les ardeurs d'un homme dont il couche avec la femme. J'étais en train de régler un problème plus important. Et quel problème? Je vais vous en parler après. Toi, si David désiste à cause de ton incompétence, je te tue. Comment tu as pu avoir la stupide idée de nous emmener dans tes bureaux? Monsieur... Ta gueule! Dégage. Dis-moi, comment ça se passe à l'école? Pourquoi tu veux te torturer, Gina? Fadoul va détruire Mélodie dans quelques mois. Et Momo m'a dit que papa te proposait de retourner avec lui en France. Si ça peut te faire du bien, je pense que c'est une bonne idée.
Mon père a tout investi dans cette école. Et c'est la chose qui comptait le plus pour lui, qu'il m'a léguée en héritage. Me demander de partir comme ça, c'est comme si tu me demandais de laisser mon âme derrière moi. Je sais. Mais parler d'une école que tu as déjà perdue, ça te fait encore plus de mal. Et Lino, comment il se sent depuis qu'il a remporté le grand prix? Tu peux me croire sur parole, Lino ne va pas bien. Et il m'a dit qu'il ferait tout pour ne pas que Fadoul démolisse Mélodie. La parole d'un traître. Tu parles. Tiens, quand on parle du loup. Bon, moi je vous laisse. S'il te plaît, Gina, ne me rejette pas. Je sais que tu as besoin de moi pour traverser ce moment difficile. Et moi aussi, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, mon amour. David Tailloré est l'un des investisseurs dans le centre commercial que Fadoul veut construire à la place de Mélodie. Je l'ai trouvé au bureau ce matin avec Mike et Fadoul. J'espère que ce que je lui ai dit va l'interpeller. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, qu'il fait affaire avec des truands et que s'il ne fait pas attention, il risque de se retrouver mêlé à un scandale. À quoi bon? De toute façon, je n'aurai plus Mélodie. C'est pour mon père que j'ai mal. J'ai failli à ma mission. Mais non, n'y pense plus. Tu as bon cœur, Gina. Et Dieu te rendra justice un jour. Mais crois-moi, Fadoul et tous ses acolytes finiront par tomber sous le coup de la loi. Je te promets. Tu vois ce que je craignais? David refuse de prendre les appels. Oh, calmez-vous. Peut-être qu'il était occupé. Ne me dis pas de me calmer. Dis-moi plutôt, est-ce que tu as tout nettoyé derrière toi? Ah oui, ça je l'ai fait. Je l'ai laissé dans le sous-sol de son appartement. Personne ne le remontera jusqu'à nous. C'était un homme solitaire. Il n'avait ni femme, ni enfant. Donc, tant mieux. Il m'énerve. J'espère seulement que David ne va pas me lâcher en chemin. Mais David n'est pas le seul investisseur. S'il désiste, vous allez vous rabattre sur les autres. Point. C'est vrai. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Gina ou son petit ami met toujours des bâtons dans les roues. Et ça m'énerve. Monsieur Fadoul, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous sommes engagés dans une guerre. Donc chacun donne des coups où il veut, comme il peut. Le seul qui devait donner des coups et ne jamais en recevoir, c'est moi. Tu m'entends? C'est moi seul. C'est pas fermé. Ah, Monsieur Tailloré. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes si matinal. On a eu une discussion en suspens. Hier, Maître Ethan Boigny m'a dit de me méfier de Fadoul. Du coup, ça m'a interpellé et j'aimerais savoir dans quoi j'investis. S'il vous plaît, Monsieur Tailloré, n'investissez pas dans ce projet. Ne participez pas à la destruction injuste de l'œuvre qu'un homme a bâtie toute sa vie. Monsieur Jean-Jacques Bidi ne mérite pas ça. Quoi? Vous avez dit Jean-Jacques Bidi? Oui. Vous le connaissiez? David, tu as embrassé un métier difficile. Mais dis-toi que aucune difficulté ne résiste au travail déterminé, acharné. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mets-toi au travail et dans quelques années, tu te souviendras certainement de cette rencontre de ce soir.
Ce monsieur m'a accompagné tout au long de ma carrière, de par ses conseils, sa présence constante à mes côtés. C'était un grand homme. C'est pour cela, M. Tahiro, il ne faut pas investir dans ce projet, s'il vous plaît. Vous n'imaginez pas toutes les misères que M. Fadou nous a faites. S'il vous plaît, faites parler votre cœur d'artiste. Vous vous souvenez de ça? Souvenirs. Hein. Ouais. Bah, je crois que c'est vous qui aviez raison. Oh. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup, Monsieur Tahiro. Je vous en prie. Je compte beaucoup sur vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. David Tahiro a fini par tout découvrir, tu te rends compte? Maintenant, il m'oblige à rendre l'école à Gina, sinon il me traduit en justice. Mais comment il a su? Il allait jusqu'au cadastre. Et c'est ce traître de Lino que tu as intégré à l'équipe qui lui a vendu la mèche. Dis-moi, Miss Hélérier, est-ce que tu as déposé le dossier que tu devais envoyer aux impôts? J'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, de toutes les façons, à quoi ça va servir? Mélodie va être détruite. Je sais vraiment pas pourquoi j'allais me fatiguer aux impôts. Hein. Fumier, qu'est-ce que tu allais raconter à David Tahiro? Tu peux disposer, s'il te plaît. Ok. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment le savoir? Mais oui, imbécile! Ah, vous risquez de faire un infarctus. Putain, tu vas parler ou quoi? C'est terminé, Fadou. Remets-la à sa place. Avec plaisir. Ethan au ministère avec le titre foncier. L'original. Votre fin est proche. Ça ne finira pas ainsi, petite peste. Mais bien sûr.
Sauf que cette fois-ci, votre cauchemar ne fait que commencer. Ramassez vos saletés et sortez de mon école. En l'air, elle est seule, je fais quoi? Je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Moi j'y vais, sinon je vais encore le regretter. Ah, enfin il s'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée là. Monsieur Bidi? Oui, à qui ai-je l'honneur? Inspecteur Kassou et ma collègue inspectrice Mouna. Nous sommes du 123e arrondissement. Asseyez-vous. Non, merci. Reconnaissez-vous ce monsieur? Quel endroit? Docteur Jérôme Abonga, c'est un médecin légiste. Très bien. Où est-ce que vous étiez avant-hier aux environs de 14h? Ici même, dans ma clinique, en train de consulter. Il y a un problème? Il a été retrouvé mort dans son appartement d'une balle dans la poitrine. Et vous êtes la dernière personne à l'avoir appelé. Battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah, yeah.
maintenant, leader de demain. Entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main. Main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique sont...